mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, spécialement pour vous, un programme alléchant avec un digne fils du continent, des artistes de renommée internationale et bien sûr de la bonne humeur et du rire à gogo. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, l'inimitable Willy Dumbo! Merci, merci, assez-vous, merci. Merci. Ça va, les gars? Ça va? Ça va? Ça va, ça va, les amis, ça va? Merci. Toi, pourquoi toi, tu viens, tu restes ici, là? Tu as fait, je vais toujours vouloir te toucher. Vraiment? Et quel plaisir de vous retrouver ici, en tout cas. Notre émission du jour est frappée du sceau du mystère. Quelqu'un me dit mystère. On nous a juste dit qu'il était de retour. Qui est-ce? En quoi cela nous intéresse-t-il? Et surtout, que vient-il faire dans WAM? Vous le saurez tout à l'heure, mesdames et messieurs. Je serai également rejoint par un célèbre TikToker qui est à la fois dans TikTok, sur TikTok, mais en même temps dingue. Donc, grand ami de la Côte d'Ivoire, il s'éclate pendant cette canne-là. Le drôlissime Tic Dingue sera là également. Et une superstar baoulée viendra ici pour faire le show en prélude à son concert à venir et aussi donc un duo qui marche fort en ce moment qui viendra du Burkina Faso. Voilà. Le talentueux Lil Jay sera là également avec ce duo-là que vous allez avoir en surprise tout à l'heure. En attendant donc de nous éclater avec ses amis hors du commun, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo qui est né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue! Bienvenue! Merci infiniment d'être avec nous, merci du fond du cœur, plaisir de vous retrouver sur Live TV. Allez, on va poursuivre tout de suite maintenant avec la titrologie de Woyi Landry Blessing. Go! Tapez les dents. Est-ce que ça va? Ok, Marco Deron. Allez. Dando, 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 dando
trop de vous, s'il vous plaît, gênez ça. On met un genou pour toi. Ah, tu es comment? Depuis quand quelqu'un joue et puis il regarde même pas même son public pour voir. Je t'ai dit. Peut-être même tu vas être en train de jouer et puis les gens même sont en train de dormir. C'est un ourourou. Mais lui, lui là, pour lui, il est convaincu que tout le monde danse. Mais il y a Dieu. Donne-lui le micro, viens. Yadio, on fait du bruit pour Mabia. Attendez. Yadio, toi aussi tu as fatigué le public. On est obligé de faire bruit pour quelqu'un qui est déjà venu et puis ils ont fait bruit pour elle. Ah, faut pas. C'est ça qu'il faut après. Les gens disent que l'émission, on vient pour applaudir seulement. Ah, arrêtez ça. Le public participe, mais c'est pas applaudir tout. Applaudissez. En tous, un peu applaudissez. On est allé un peu applaudissez. Qu'elle va faire pour nous tout de suite. Applaudissez. Ça va, Coco? Oui, ça va. Yedio, quand toi-même tu fais danser là, tu es sûr que ça peut te donner mari? On sait jamais. Fais cuit de poulet là, y'a encore. Cuit de poulet. Hop, on est donc tous sur le plateau de joueurs. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV 6 au Bouquet Canal et 6 de la TNT. Allez, on passe maintenant à la vidéo du jour. C'est un important message de Bébé Sange de mort à son frère, le footballeur Oumar Diakité. Écoutez. Et d'ailleurs même, ce soir, il me l'a vous dit que Oumar Diakité, il a pris mon nom, qui s'appelle désormais le Wourourou du Bébé de Galé. Mais comme il s'appelle le Wourourou du ballon, il a pris tous mes comportements. Dès qu'il a fini de marquer, il s'est déshabillé sur le stade, se déshabiller devant tout le monde, devant la nation, parce qu'il a fini de mouiller le maillot. Il a fait plaisir à la nation, surtout à les Ivoiriens, il a fait plaisir. Ouais, on dit pas moi. Donc, Oumar Diakité, comme tu as pris mon nom, tu n'as pas de souci, mais tu as moins à payer. Tu as 2 500 000 à payer. 2 550 000. Donc, tu as 2 550 000 à payer. Voilà, parce que tu avais des moments de boulou, du ballon. Donc, des moments, tu es mon pro. Allez, payer la pourrécie, c'est facile, quoi. Allez, tu te lèves un coup, payer quelqu'un qui s'appelle Wourourou. Toi aussi, tu dis en même temps, il y a amende à payer. Voilà, 2 millions comme ça. Et puis, il a ajouté 250 000. Parce qu'avant, il disait, maintenant, pour jouer, c'est 250 000, c'est 150 000, c'est 350 000, c'est 450 000. 50 000, là, c'est pour aller faire quoi? C'est taxe ou bien? Là, c'est le sacrifice. C'est un mille, là, c'est le sacrifice. C'est ça, d'accord. En tout cas, Oumar Diakité, tu as entendu, non? Voilà. Faut donner le. Voilà. Hein? Yéli, Willy, les gens viennent pour regarder l'émission là ou bien ils veulent voler ça dans ta main. Je prends ma place. Aïe! Allons, pépite. C'est mieux. Pépite 1, Yako champion. Vous savez, on aime tous voyager, hein, mais affaire d'avion là, parfois, ça fatigue trop. Avant de voyager, toi, tu fais quoi ici? Va là-bas, sorcier. Là-bas. Faut passer là-bas. Passe comme ça. Passe ici. Passe devant nous ici. Ah, passe ici. Ah, j'aime trop ça. Regardez-le. Tellement il voulait qu'on lui demande de passer ici. Parce qu'il dit au quartier, il travaille à Live TV, mais comme il passe pas à la télé, on le voit pas. Ouais. Allons-y, le frère. Willy, ouais. Il dit quoi? Moi, prendre l'avion encore. Jamais. Attends. Après ça, là, vous mettez. Vous changez l'eau, là. Moi. Prendre l'avion encore. Jamais. Pourquoi? Hier. Yeah. Et ça, c'est fini en l'air. On a poussé l'avion, là, de Paris jusqu'en Italie. Il a souffert. Si vous voulez, ne croyez pas, c'est votre problème. Moi, je crois petit. C'est votre bouche qui a parlé. En tout cas, du courage. Avion, là, c'est comme ça. Oh. Des fois, vous êtes dedans même, quand le pilote, là, ça dit, il file seulement le vent, là. Ça souffle fort comme ça, ça rentre. C'est comme hier. Nous, on allait jouer match à Boaké, là. On est monté dans l'avion dans truc Air Côte d'Ivoire. Il est parlé ici. Voilà. Air Côte d'Ivoire, regarde-moi bien. Merci déjà à Air Côte d'Ivoire qui nous a fait partie gratuitement pour aller regarder le match. Et dit, bon. Quand on est dans l'avion comme ça, à un moment donné, là, les secousses étaient comme ça. Et puis maintenant, moi, j'ai regardé côté de mon hublot, là. Tu sais qui a vu? C'est qui t'a vu? Spider-Man. Hey! Attends, Willy! Hein? Attends! Dans ton moment de calme, Spider-Man est venu ici. Aïe!
Toi, tu penses quoi? Qu'elle a prié. Quand tu vois, le filet, souvent là, tu vois le filet tremble beaucoup là. C'est Spider-Man, il fait. Et puis ça bloque le filet. Qui savait, c'est pas voilà. Toi. C'est à cause de ça. Tu as déjà vu un ballon, on joue ballon, et puis malgré les boulets là, tu as déjà vu le ballon, même si ça sort du cadre. Du gazon. Hein? T'as déjà vu le ballon là dépasser le stade? Jamais! Parce que Spider-Man est là, tapis dans l'ombre, et puis il bloque. Oh! Maintenant, quand il prend, il envoie et puis il laisse ça doucement, et puis les petits ramasseurs de balles, ils récupèrent, et puis ils mettent la main dessus. Avec toi, il y a toujours de la voilà. Culture générale. Merci, Willy. C'est pour ça, les petits ramasseurs de balles, à chaque fois qu'ils prennent là, si tu les salues, tu as l'impression qu'il y a un gombo sur leurs mains. Vous n'avez pas dit que vous êtes venus, on vous mentit, on s'est blessé ici. Pépi 2, tu n'as pas tort. Apprenons désormais à utiliser notre temps pour faire de bonnes choses. C'est important. Franchement, Willy, hein? Il dit quoi? Tout le temps que j'ai perdu dans une relation amoureuse là, je pouvais prendre ça pour aider Stromae à retrouver son papa. C'est pas fini. Oh, il chante Papa où t'es, Papa où t'es. Il m'aurait tout papa, sans même devoir y voir. Ah! Oh, mon vieux, il est assis, il a Kouma Sissi Koji là-bas, il est là-bas actuellement. Bonjour le vieux. Toi, t'as vu, non? Tu étais dans les histoires de love, là. Des bisous, je t'aime, alors que Stromae, lui, il est en train de chercher son papa. Au papa. C'est pas bien ça, là? C'est, je t'ai dit. Que je t'aime, bébé, tu es mon amour, tu es mon âme. On fait rien ça! On fait rien ça! Saint-Valentin. On connaît pas Saint-Valentin. Saint-Valentin, waoui. Bébé 3, allons avec ça. Le Daikada a créé quelque chose, hein? Non, Willy, Daikada, c'est l'homme, hein? Ouais. On dit, c'est maintenant, les vraies portes vont se ouvrir. Le temps. Le temps est modernité. On ne sait pas où aller. Daikada, avec tous mes respects, hein? Comment tu peux faire des choses comme ça? C'est maintenant les vraies portes vont s'ouvrir. Tu ne connais pas encore. Ça, je pensais que c'était sur le plateau de nos amis de la Troupe Polémique. Oui. André, il avait reçu son visa. Mm-hmm. Et ça, c'est maintenant les vraies portes vont s'ouvrir. Allez, tu es revenu. Jamais. Ouais, ça s'est ouvert fort même. Le Daikada, tu es l'homme. Fognan pour être pognan, c'est important, on est ensemble. Mais en tout cas, la bonne formule, c'est maintenant les vrais potes vont s'ouvrir. On a entendu s'ouvrir. On peut rien pour vous, les gars. Pépite 4, les hindous aussi. Allez, on dit film là, hindou. Ça ment, hein. Mais pour Bollywood là, il y a un niveau d'exagération, laisse tomber. Non, Willy, les gars exagèrent. Ouais. Ils ont posé une question. Hein? On dit, pourquoi tu n'aimes pas les films hindous? Hein? Quelqu'un a répondu. Quoi? Il dit, l'autre jour, je regardais un film hindou. Et deux jeunes hommes ont ramassé une petite fille en route. Hey! Ils l'ont élevée jusqu'à elle a grandi. Il y a les joujoux dedans. Ils se sont rendus compte que la jeune fille qu'ils ont ramassée au bord de la route, là, c'était leur maman. Hey! Yassir, Krishnan Ilbek, Aleisa. Et puis on a parti où t'attends maintenant? Zou, zou, zou. Non, c'est le Modibo Keïta même. Hey. Non, c'est le menteur même. Yeah. Chier. Vous avez ramassé la fillette et 20 ans après vous rappelez que c'est votre maman. Là. C'est que nous-mêmes, ce qu'on a fait Spider-Man, là, c'est petit. C'est petit, hein. Moi, ce n'est qu'hier seulement que j'ai su que je m'appelais Willy et puis j'avais pas de cheveux. Tu as vu ça? C'est-à-dire, depuis longtemps, tu pensais que tu t'appelais Hervé et puis tu avais droit sur ta tête. Ouais. Je vois maintenant. Vraiment. Et moi, avant, je te prenais pour quelqu'un qui était un basketteur. Et ce n'est que tout à l'heure, quand j'ai vu Ignam, je me suis rappelé que non, voilà sa vraie taille. Tu voulais m'attacher, non? Tu voulais m'attacher, non? On est dedans. Pépite 5, répondez-nous. Vous savez, il y a des gens là. On va essayer de comprendre aujourd'hui là. On doit les comprendre. Hein? On dit, maintenant il y a ceux qui sont assis au stade, mais ils écoutent la radio. Ah. Les amis, vous faites quoi dans la vie? Ouais. Dites-nous. Nous, on veut savoir. Passez le micro, ils vont répondre. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie? Mon frère va répondre. Prends le micro là. Vraiment, c'est décourageant. Mmh. Qu'est-ce que c'est décourageant? Ce qu'ils font, c'est décourageant. On parle de toi-même, tu n'as pas de la vie. Bon, moi, je suis étudiant. Tu es étudiant à quoi? J'ai en logistique. Logistique. Donc, la logistique, là, tu t'en vas avec
Elle est à radio au stade. Hein? Dans logistique, là, tu vois, là, au stade avec la radio. Non, 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 non. Mmh. La radio. Arrêtez ça, hein. Donne notre micro. S'il vous plaît, dites-nous en commentaire du direct sur Facebook. Ballon, là, c'est devant toi. Toi-même, tu vois. On doit te dire quoi encore à la radio? Attends, c'est toi, tu vois l'action. Avant que quelques secondes après, les gars de la radio, même s'ils sont en avance, ils ne voient. Avant que maintenant, nous, on a la télé, là, on ne voit. Il te dit. Eh, Seigneur. Les gens, là, ils sont compliqués. Ils sont compliqués, même. Non, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Ça me fait mal. C'est fort, c'est fort. Ça me fait mal. Laissez-moi boire un peu, laissez-moi boire un peu. Faut casser ton cœur, faut casser ton cœur. Antique pas, hein? Antique les mains. Yeah! Y'a tes têtes, hein? Y'a vous têtes, hein? Vous là, on s'amuse, mais y'a vous têtes, hein? Ne mettez pas du sable dans notre antique, hein? Amusement à pas, hein? C'est quoi ça? Il y a frigo en bas, il y a tout ici. Avançons. Un faux bon saillie. Regarde, Abou, viens, 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 viens. Faut demander ethnie de celui qui envoie les éléments. Si il maîtrise ça, on va lui demander. Ben, il faut lui dire que. À Saint-Doula. Il faut lui dire en télé, là, on n'est pas obligé à chaque fois de dire info buzz. Pépite. Faut changer un peu pour ne pas être monotone toi-même. Ben, si tu ne veux pas changer là, lui, c'est pour lui faire plaisir. Mais toi, ton animation reste pareille. Maintenant, comme on dit, avançons, Andjoula. Aïe, t'as rien fait. Aïe, t'as rien fait. On fait ça, il va remettre le jingle. D'accord. Aïe, t'as rien fait. Alors, InfoBuzz, c'est la suite. Félicitations, monsieur le Premier ministre. L'info a été révélée par le site du magazine Jeune Afrique. Après son passage donc à la primature de Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre ivoirien Patrick Achi est actuellement outre-Atlantique aux États-Unis d'Amérique. L'ancien chef du gouvernement ivoirien a rejoint la prestigieuse université de Harvard dans le Massachusetts en tant qu'enseignant-chercheur invité pendant un semestre. Ses recherches se concentreront sur la lutte contre la lenteur de la transformation économique et humaine et bien sûr le développement en Afrique. L'ex-premier ministre ivoirien va également enseigner un séminaire de la CIM sur l'accélération du développement durable. Félicitations à vous, monsieur le Premier ministre, et surtout beaucoup de succès dans vos recherches. Que Dieu soit avec vous là-bas à Harvard. Vous là, vous avez vu, non? Quand on vous dit d'aller à l'école, là, bon, quand on nous dit d'aller à l'école, là, c'est pas amusement, hein? Boris, toi, tu dis, ah, oh, tu es où? Tu n'es pas assez en train de faire. Et Pépite, hein? Pourtant, tu connais papier. Papier, là, ça ne ment pas, oh. Ah, oh. Voilà le père Patrick Achi. Il quitte dans premier ministre pour devenir chercheur à Harvard. Et puis il va chercher, il va trouver. Vous voulez quitter dans maquis pour aller vous asseoir dans, en bas des arbres, au quartier. Passez à votre avenir. Ah, les frères, les sœurs. Laissez les filles aller à l'école. Les gars, n'attendez pas bête seulement pour aller chercher à porter pantalon plaqué. Vous ne pouvez même pas bien tirer, avoir une petite E40 ou bien E45 de truc BM. Et puis maintenant, vous allez porter une cravate qui vient jusqu'à votre menton ici pour dire que non, il travaille. Hein, Bretel, pour nous fatiguer dans c'est quoi ça? Allons loin à l'école. Moi-même, là, peut-être même là, l'année prochaine, je vais reprendre le chemin de l'école. On va discuter ensemble. C'est important. Parce que je vais aller loin. Voilà, j'aime ce que je fais, mais peut-être si je vais à l'école, je peux passer derrière. C'est tout. À un autre niveau. À un autre niveau? Oui. Voilà, c'est important. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'on n'a pas un niveau. On est à un bon niveau déjà. Toi, Boris, tu as terminé au bac. Bravo. Oh. Non, je m'amuse. Boris, c'est quoi ton diplôme? J'ai un diplôme supérieur en communication. Ouais, petit. Quand ils sont contents comme ça, j'ai un diplôme supérieur en communication. Non, c'est l'occasion de tu m'as donné. Je te jure. Alors, mesdames et messieurs, ce qui va se passer ici, c'est que Willy Dumbo sort pour laisser la place à André Bois. Bois comme bois, B-O-I-S. C'est pas le bois comme on a, il écrit là. André Bois, B-O-I-S. Et l'émission, c'est le grand talk. Donc,
je vais faire mon monologue et puis on va lancer le générique et on va recevoir l'invité. Bonsoir. Il est enfin de retour après de longs mois d'absence. C'est un chouchou des femmes, des Wamiens et Wamianes, à qui il a beaucoup manqué. C'est avec une immense joie qu'on le retrouve tous aujourd'hui. Faites du bruit, s'il vous plaît, après le générique. Oyez, oyez, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. Ce soir, Christelle Ménage est à Naboo pour acheter de la tchéké. Daouda est devenu sentimental. Recevons à présent notre invité du jour. Oui, oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'assois là. Là. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Bonsoir Talk. Bonsoir et bienvenue, bébé. Alors, comment allez-vous? Allez-vous bien? Bien. Alors, où étiez-vous? Il se raconte que vous avez eu des échauffourées avec l'animateur de Willy à midi, de Boris et d'autres. Et vous nous avez affirmé que c'était le cas, n'est-ce pas? C'était pas le cas. Donc, il faut dire que c'était le cas. Oui, c'était le cas. C'était le cas. Très bien. Alors, il se dit aussi que l'eût été l'intervention de... l'eût été l'intervention de... Oui, vous ne seriez jamais revenu. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Alors, et il se dit, alors, si vous le prenez en marche, vous suivez le Grand Talk. Ce soir, il est de retour, je suis André Bois. Mais oui, oui, c'est le cas. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Alors, est-ce que vous avez toujours vos... Oui, c'est le cas. Alors, est-ce que... Oui, c'est le cas. Oui. Est-ce que vous avez toujours vos jaunes de rein? Hein? Est-ce que vous avez toujours les jaunes de rein? Est-ce que vous avez toujours les jaunes de rein? Oui, c'est le cas. C'est toujours ré, 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 ré. Tu veux comme si à Chigom dans tes ré, ré, Chigom dans tes ré, 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 Chigom dans tes ré, 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 Chigom dans tes ré, ré, Chigom dans tes ré, ré. Alors, oui, nous allons bientôt terminer cette émission. Nous avons repris nos... Oui, c'est le cas. Alors... Il me fuit. Mesdames et messieurs, oui. Ça a été un très grand plaisir de vous retrouver sur cet autre numéro du Grand Talk. On se retrouve demain avec...
Hop, on adore tout sur le plateau, trois personnes qui peuvent être avec nous. Désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. On ne peut pas, je veux dire, contenir des fous. Et donc, permettez-moi encore, s'il vous plaît, de me rafraîchir. Je me rafraîchis maintenant avec du Coca-Cola. Waouh. Toujours. Yep, allez, le phénomène coup du marteau. Rarement dans l'histoire de la musique ivoirienne, voire africaine, une chanson n'a connu un succès aussi fulgurant. Sortie donc il y a seulement un mois, quelques jours avant la Coupe d'Afrique des Nations, le titre « Coup du marteau » de Tamsir a été adopté par le public de la compétition avant de devenir un phénomène mondial qui retient l'attention donc des plus gros médias internationaux. Le succès du titre se confirme sur YouTube car du coup du marteau, le coup du marteau pardon, cumule déjà, tenez-vous bien, roulement de tambour, plus de 20 millions de vues sur la plateforme. Excusez-moi, une performance hors norme pour une chanson ivoirienne. Des chansons ivoiriennes en font, mais je veux dire qu'en cette canne-là, où il y a beaucoup d'autres pays qui font des titres, donc pour ceux qui doutent encore de cet immense succès-là, voici une vidéo publiée il y a seulement quelques heures sur les réseaux de la Ligue 1 française. Elle est déjà à plus d'1 500 000 vues. Regardez. Ouais. Le mental de Ligue 1, là, vraiment, c'est un immatu. Là, il a tué. On ne cessera jamais de dire bravo à Tamsir et toute la bande présente sur cette chanson-là. Force à vous et surtout bonne continuation. Le meilleur reste à venir. Coup du marteau, toujours. Allez, les amis, on va faire un tour du côté donc, Cameroun. Mais avant le Cameroun, les amis, on va rester ici parce que le 17 février prochain, au Palais de la Culture, un baoulé va prendre le contrôle et nous promet un concert incroyable avec de grosses surprises. En attendant cette date cruciale, mesdames et messieurs, accueillons ensemble, s'il vous plaît, Mr. Lil J. Oui, Lil J. Aquaba. Lil J. Lil J est avec nous. Baoulé, son superstar. Wouhou. Lil J. Waouh. Baoua. Lil J Aquaba, bienvenue. Yeah. 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 Ça va bien. On pourrait faire même une interview en yeah. Hein. Ouais. Si, si, je te jure. Allez, Lil J, qu'est-ce que ça donne en vidéo? Ben, on a essayé de repartir sur quelques gros classiques de Lil J quand on sait encore que tu as encore du chemin à faire et l'avenir sera radieux pour toi. J'adore la monture et je sais qu'elle va rester ici avant ton départ. Lunettes, ça la paye. La secret de lunettes. On regarde, compile Lil J. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, tu es arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hand. Wow, quand je t'ai vu. Tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce grenouillée. C'est toi ma dame, mais faut leur montrer ta bague. Tu es devenue ma femme, tu as changé de championnat. Faut porter le brassard. Elle a une forme de guitare, ça pas faut peindre de là. Elle est en l'air, je suis sa drip sale. Tous les jours, je suis dans le Benz, mais les gros drip sale. Obligé de faire de l'oseille pour toute la MIFA. Attaquant comme Benzema, je me délucane. Lucan, oh, c'est les, mon clair. Les Gucci, les mon clair. Lil J, de Bergerac jusqu'à Black Star. Si je ne m'abuse, hein. Ouais. Black Star, le label en France. Apparemment, tous les BBB te vont bien. Hein. Ça, même Baoulé aussi. Baoulé, tout ce qui est bien. Tout est bon guano, en tout cas. Ouais. Justement, là, on a mis un peu vraiment juste la face non cachée de l'iceberg parce que derrière, en bas, il y a du lourd qui va arriver. Tu as fait sortir un album incroyable récemment. Ouais, je vous demande encore d'applaudir très fort, s'il vous plaît, pour son album.
Mbaoulé au Palais de la Culture. Il était temps, n'est-ce pas? Ouais, il était temps, vu les titres qu'on avait sortis, qui ont fait quand même, qui ont eu du succès quand même. Ouais. Et cet album qui a été apprécié par le beau public, par tout le monde. Bien accueilli. Donc en s'est dit que c'était le moment en fait. Ouais. Après, les gens, ils ont demandé aussi ce concert. Donc on s'est dit pourquoi ne pas aller. Si, si. Ouais. Est-ce que lorsque tu lançais le teaser, la première date, est-ce que les gens n'ont pas tenté de te décourager comme d'hab pour te dire non, attends, il faut que tu fasses 10 albums d'abord, ouais, avant c'est ça, parce que le plus souvent, les concerts sont mystifiés, tu vois. Ouais. Les gens se disent non, avant de faire un concert, il faut attendre 1900 touré pour faire un concert. Mais quand tu fais des singles qui sont aimés, tu fais un album qui est bien, il n'y a pas de problème, il faut aller. D'accord. Alors concrètement, ce sera le samedi 17 février 2024, on te voit avec un bouquet. Ouais. De rose. Ouais. Est-ce à dire que c'est une affiche qui t'a été inspirée quoi, de l'amour que tu vis, l'amour parfait que tu vis en ce moment avec une femme, ou peut-être l'amour des parents, ou peut-être l'amour pour la musique, ou peut-être l'amour pour tes fans. Ouais, l'amour pour mes fans. Ouais. Ouais, ouais, aussi beaucoup. Puis c'est comme c'est la Saint-Valentin, c'est 3 jours après la Saint-Valentin. Si, si. Donc mais ça reste encore le mois de l'amour. Hein. Donc, c'est ça, c'est le mois de l'amour. Donc on a pensé à tout ça en même temps. Ouais. Voilà. Mais on dit ces femmes claires qui a mis utilisé des arts. Ah oui, c'est femme claire qui a mis huile sur déjà. Si, si. Les femmes claires, sortez du studio en même temps. Non, je déconne. On les adore, elles sont adorables. On va les applaudir très fort. Applaudir aussi toutes les femmes dans le studio. Alors, c'est ce samedi 17 février à partir de 16h. Et franchement, c'est un gros événement. Je vois du beau monde derrière. Je vois Aboudia Fondation, je vois Artisan Jensi et autres. Aboudia, qui se fait un gros coucou. Ouais. Concrètement, quelles sont les entités qui t'accompagnent sur cet événement-là? Voilà, c'est marqué l'Artisan Agency. D'accord. Et la fondation Aboudia. Aboudia. En partenariat, qui ont organisé ce concert. Le label Black Star France aussi, pilote aussi le projet aussi, qui est mon label. Donc après, il y a tous ses partenaires, tous ceux qui comme Live TV, qui accompagnent Willy Gombo. Willy Gombo. Willy Gombo. Je fais un gros coucou au père d'Aloa, le père d'Aloa en tout cas, qui ne se porte pas très bien, mais qui est en train de se remettre d'une autre opération. Force à toi, le vieux. Que Dieu te bénisse, on viendra te saluer. Alors donc, 17 février, Palais de la Culture à partir de 16h. Ouais, on voit les prix ici. Franchement, je pense pour ce que tu nous sers depuis longtemps, et je pense aussi pour ton talent et pour la dimension que tu es en train de prendre, que ce sont vraiment des prix en diamant. C'est je pense même que pour un artiste en diamant, quoi de plus normal que de dépenser du bronze, de l'argent et de l'or. C'est ça, Et il y a des tickets de 10 000. 10 000, 20 000 et 50 000 francs CFA. Et 50 000 francs CFA. Ouais. D'accord, tickets 10 000, 20 000 et 50 000 francs CFA. Est-ce qu'il y en a ici avec le staff? Ouais, je pense bien. D'accord, on en fera gagner tout à l'heure donc à certaines personnes, peut-être tout le long de la semaine. Ouais. On offrira donc des tickets pour aller voir Lil J en concert live. Est-ce qu'il y aura d'autres artistes qui vont t'accompagner? Ouais, il y aura des guests. Il y aura des invités surprises aussi. Super. Qui viendront aussi. L'invité surprise, là, depuis j'ai fait un rêve, j'ai vu quelqu'un là. T'as vu qui? Attrapez-moi, j'arrive pas maintenant. Je me tire. Bref, anyway. S'il voit ça, il va dire, hein? C'est quoi, il chante, quoi? Non, en tout cas, moi je rêve. Moi, la révélation. Je suis dans la révélation, j'espère. En tout cas, fais-y un tour. Quel est le message que tu as apporté? Tu seras sur scène pendant combien d'heures? Le répertoire, est-ce qu'il n'y aura que des titres connus, des titres de l'album, ou il y aura aussi un inédit ou des inédits? 16 heures, déjà, venez à l'heure. Ouais. Parce que c'est 2 heures de show, de concert. Un show non-stop, avec beaucoup d'énergie. Ouais. Il y aura des titres connus. Et aussi des titres de l'album aussi pour essayer de faire découvrir. Mais à notre sauce, avec l'orchestre que j'ai, ça sera quelque chose de fou. Ça sera du live. Très bien. Donc, on va rappeler encore les prix des tickets. C'est 10 000 francs CFA, le bronze, 20 000. Et 50 000 francs. Et puis 50 000 francs or. On dit 10 000, ça pouvait couler. Ouais. 20 000, ça pouvait pencher. Ouais. Et 5 000, ça pouvait debout. Ça pouvait debout. Non. Si, si. Mais je pense que tous ceux qui seront là-bas, en tout cas... Tout le monde est debout. Voilà, tout le monde est debout. C'est le concert de tous les C'est ça. Allez, les tickets sont disponibles partout dans tous les points de vente habituels. Mais on peut aussi également se faire livrer, n'est-ce pas? Oui, il y a le site liljay.net. Oui, liljay.net, c'est ça. Liljay.net, donc où on peut acheter en ligne aussi. En ligne, c'est cela. Et il y a des points de vente physiques qu'on est habituels. Ouais. Vous, là, on vous connaît. Hein? Là, on est en train de parler de ça. Vous n'allez pas vous presser pour aller. Vous pensez quand vous entendez 17, vous pensez que c'est dans un mois. Attends, c'est la semaine prochaine. Allez, achetez vite. Hein. Les gens sont en train de prendre ça petit, fort, comme ça. Ne m'appelez pas pour dire Willy. Mais tu as reçu l'UJ, il n'y a pas à avoir ticket là-bas. Vous ne savez pas comment il souffre pour aller faire son concert. Une salle seulement au Palais de la Culture, là, allez demander, vous allez dire. En tout cas, je profite pour saluer aussi Tonton, le directeur du Palais de la Culture, parce qu'il soutient beaucoup les artistes. Madame la ministre aussi de la Culture, qui nous soutient aussi. Quand c'est chaud, les gars nous permettent
de nous lever. De nous lever. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais organiser un concert, ce n'est pas du tout évident. Donc arrêtez. Ce n'est pas parce que vous connaissez l'artiste. Vous avez venu dire, donne-moi invitation, donne-moi tout. Vous aimez trop ça. Après, c'est vous encore qui allez venir dire qu'il a eu l'argent, il n'a pas géré. Arrêtez ça. Si vous voulez nous voir bien, achetez nos tickets. Achetez les tickets, venez au concert. Foyer, voilà. Et puis arrêtez de dire que c'est cher, c'est cher, c'est cher. Rien n'est cher ici. Quelqu'un va venir de l'autre côté là-bas, vous allez courir pour aller là-bas. Vous aimez trop ça. C'est pas moi, je suis promoteur qui dit ça, ça m'énerve même. 07-897-87-117. 07-897-87-117 ou 07-029-29-251. 07-029-29-251. Lil Jay, un dernier appel en regardant la caméra en face voilà. De toi là-bas. Rendez-vous pour la de la culture, ouais. 17 février à partir de 16h. Où tu nous mets en pouce, on est comme manioc. À et cause de moi, t'as cassé, faut carré, faut pression sur vous. Vous pensez que vous êtes fous. On sort d'un dos, on sort en côte, y'a pas au bout. Égui, ben, nous, on a calé un petit mix ici pour toi, Camille. Ah, mais voilà, voilà. Depuis là. Eh, voici l'idée. Quand on veut bouffer dans mon seigneur, mais monter dans le piano, j'ai dit ça à ma vieille. Mon affaire pour toi, c'est une maladie. Tu bouges ton corps sur la mélodie et on bouba sur le piano. Tous mes gars tirent des PCS, petit gros vent de basse. On n'a jamais fait EPS. Travaillez-moi sur ton compte quand tu es si serré comme un boutique. Si on t'a mieux donné un seul main. Elle veut vacances à Milano. Faire encaisser ses copines, snapper dans l'eau. Bon, j'ai calamar, poisson, saumon. C'est que tu spilles le sol toujours dans le bio. Bouteille en léger, je suis à trip sale. Tous les jours, je suis dans le mix, mais les gros trip sale. Obligé, je fais de l'oser pour toute la mi-fa. Attaquant comme Benzema, je veux des Lucas. Lucas, oh, c'est les, mon clé. Les Gucci, les mon clé. De la tête au pied, mon clé. Les Gucci, les mon clé. C'est les moments. Relation, c'est pas prison. Yeah. Elle n'a pas signé pour ça. Pourquoi tu lui fais du sale tous les jours dans la maison? La fameuse love story devenue ton métier. Tu l'as privée de sa liberté. Elle a coupé tous les ponts avec ses amis. Tu as fini par tout gâcher. Limite, elle fait une dépression. Elle n'a plus confiance en elle. Oh, la dame a dû lâcher là. T'étais pas prêt, c'était mieux de la laisser solo. T'as brisé son petit cœur, petite fleur sous l'eau. Tu l'as fait rêver, ensuite délaissé. Que accidenté, quelqu'un d'autre. Yeah. Ne pleure pas, il t'a fait bobo, t'as fait du sale. Yeah. No cry, le respect n'est plus sérieux, faut quitter la tasse. Toi fais vu, ignoré, fais vu, ignoré, à ses appels, vu, ignoré, fais vu, ignoré, à tous ces nombreux messages, vu, ignoré, fais vu, ignoré. Bye bye. L'amour que j'ai pour toi est plus fort que le balai de Benoît. Y'a longtemps de toi, y'a c'est pas là, tu me fais en façon, façon, tiens d'un coup. Je suis pas éveillé, non, pas éveillé. Tiens ma carte de crédit. 1, 2, 3, à vous ici. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar. Je suis arrivé comme un gentleman. Cigare in my hand. Waouh, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce grenouillée. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar. Je suis arrivé comme un gentleman. Cigarillo in my hand. Ouais, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches. Tu n'as jamais mangé sauce de nos pieds. Walter le Russin, dit la Russie. Permets que je te touche. Oh! Woo! Hey! Vous aimez cadeau? Ben ça, ce n'est que la face, la petite, le petit. Le petit truc qu'il vous présente avant le concert, parce que ça, je sais qu'il y aura de la tenue, il y aura du son, il y aura de l'image, il y aura aussi donc de la scénographie, il y aura de belles choses en tout cas. Rendez-vous le 17. Oh oh oh. Non, non, Mélanie l'a acheté le ticket, vous allez partir, regardez ça. Le 17 février prochain, à partir de 16h, au Palais de la Culture de 13 villes, allons et inondons et rendons à César ce qui est à César. Merci infiniment, mon gars. Yeah. Force à toi. Yeah. Allez, merci. Force à toi. Merci à toi. Force à toi, on est ensemble. Gros bisous aussi à Nesmond Dokui. Et à tout ton staff. Allez, on va se rasseoir, les amis. La famille, quand on laisse un Lil Jay, on peut parler aussi facilement donc, d'un certain Didi B, qui sera bientôt donc à l'Olympia, ça s'approche là, des nouvelles du Shogun.
Ouais. Pour la suite de l'Infobus, il y a quelques semaines, Lili B avait annoncé un grand concert à Mythique Salle de l'Olympia à Paris. Les choses se confirment donc pour la star du rap. Et on connaît désormais les artistes qui feront les premières parties de ce show-là. Déjà, le nom de Lili B comme Sonhorn actuellement, donc le fronton de l'Olympia. Et c'est une fierté pour notre pays. Pour ce grand show à venir-là, il y aura en première partie les rappeurs Leto, Kershak, Gaulois et With Guns. En prélude donc à ce spectacle, Lili B a annoncé la sortie de son nouvel EP Before Olympia pour le 12 février, c'est-à-dire lundi prochain. La release partie de cette nouvelle galette-là aura lieu le jeudi 8 février au BBR avec à l'affiche Ilim, Tamsir et Stay Milano. Force à toi, Mojaveli, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès pour ce show à venir-là. Celui qui arrive nous vient du continent et ses vidéos font fureur sur TikTok. C'est un grand ami de la Côte d'Ivoire qui profite à fond de son séjour dans notre pays. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour TikTok. Oui, TikTok. À quoi bon, mon gars? Comment ça va? TikTok. TikTok. À quoi bon? Merci. TikTok, bonjour. Bonjour, gars. Comment ça va? Ah, ça essaye d'aller. Ah, là, il me tue de rire, là, déjà. Ah, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. TikTok. Alors, TikTok, à quel moment tu arrives sur les réseaux sociaux? Déjà, je sais que tu vas à l'école. Voilà, tu sais quoi les cours que tu suis? Bon, avant de commencer, je tiens à appeler à tout le monde que, bon, je parle pas bien, je parle en pièces détachées, donc. Il va tuer. Faut pas vous moquer, c'est moi, c'est comme ça que je parle. Voilà. En tout cas, c'est bon de savoir parce que même si c'est en pièces détachées, il faut savoir que sans pièces détachées, une voiture qui est bancale ne peut pas bien rouler. Voilà, donc on a dansé en tout cas qui même parle en pièces détachées. Voilà. Alors, TikTok, justement, les études, c'est quoi le niveau? Je suis en niveau licence marketing digital. Super, marketing digital. Donc être sur TikTok, sur les réseaux, c'est pas loin de ce que tu es en train d'étudier. Oui, ça t'aide forcément. Bien sûr, forcément. Il y a des stratégies qu'on nous apprend à l'école que je mets souvent en pratique dans les vidéos et tout. À un moment donné, tu t'es dit, bon, ce qui peut être considéré comme un handicap peut être aussi, une force. Ça a commencé même que par l'handicap, gars. D'accord. Ça a commencé par là. Oui. Yeah. Parce que quand moi j'étais petit, bon, on se moquait beaucoup de moi. Pendant tout mon cursus scolaire, du 6e jusqu'en terminant, on se moquait de moi. Après l'obtention de mon bac, J'ai commencé à faire les vidéos. Bon, il y avait le feu DJ Arafat, père à son âme. Il avait lancé une traîne sur Instagram. Sur Instagram, oui. J'étais très fan de lui. Même si c'est fan de lui, c'était son premier fan local. si. J'ai refait la traîne et il a republié sur son Instagram. Et est-ce que tu as pu réussir ça? La traîne? Ouais. Il me s'est battu. Il a tu peux vu... reprendre ça ici? Non, ça fait peut-être 5 ans. 5 ans, 6 ans. Yeah. Il a reposté et puis c'est là que j'ai commencé à avoir un peu le goût des vidéos. Des vidéos, si. Au départ, quand je faisais les vidéos, je faisais l'effort de ne pas bégayer. C'est-à-dire que j'écris ce que je vais dire et puis je fais comme si je lis. Mais les gens n'aimaient pas. Mais un jour, écoute, là, m'énerve, j'ai balancé ça, j'ai commencé à parler comme ça. Et c'est ça qui a pris. C'est ça qui a pris. J'ai gratté dans la vidéo. Yeah. Et c'est comme ça qu'on t'adore aussi. Justement, on a une vidéo de toi. C'est pas la compile, hein. Voilà, c'est une vidéo, un extrait de toi. Il y aura aussi de la chanson, tout ça, mais c'est d'abord l'extrait qu'on va regarder. Yo, parlons là, même placé, tu es bien, pardon. D'abord, je vais aller. Oh shit! C'est la hype de Baby, I'll be waiting for you. C'est quoi? Il y a un souci? Non. You get it? Clap for Jesus! If not be Jesus Christ, where they won't be? I wonder. God, you are very gentle. You are very gentle. Celebration time, eh? Everybody make una come celebrate. Alors, là c'est l'une de tes premières vidéos aussi, anciennes vidéos aussi sur TikTok. On voit un peu plus jeune encore. Hein. Oui, oui. Tu n'avais pas encore la... Non, mais là, c'est pas aussi trop vieux. Ça fait peut-être 9 mois que j'ai fait cette vidéo. Mais il y a quand même longtemps. C'est après le décès de mon mentor, Cabrel. Ouais, Cabrel. Cabrel, justement, on allait en rajouter une couche. Cabrel, qui malheureusement, on te sentait très proche de lui. Cabrel qui est parti dans un accident de circulation de voiture. Qu'est-ce que tu as encore en mémoire de lui? Quel est le plus beau souvenir que tu as en mémoire de lui, Cabrel?
À la veille de son voyage, on était ensemble. Ouais. On avait rendez-vous à l'hôtel La Falaise pour voir un grand là, pour négocier un contrat. C'est à Yaoundé. À Douala. À Douala, pardon. Mmh. Okay. Parce que lui, il voyageait de Douala pour Yaoundé. Pour Yaoundé, si, si. Pour prendre son visa. Son visa, ouais. Pour le Canada, je crois. Oui. Et puis, on était assis sur une table et tout. On mangeait. On ne savait pas rester le dernier repas. Ouais. On mangeait avec le vieux. Le vieux, c'est le petit là. Ouais, le petit, ouais, si, si. On mangeait et tout. On riait. Le jour là même, il a même failli bagarrer, mais après, il s'est calmé et tout. Mmh. Et puis, on est rentré à la maison. Il nous a dit au revoir. Le matin, il a pris la route et tout. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il s'est resté à la maison. Le matin, mais là, il voit les appels beaucoup. Mmh. On me dit qu'il est parti. Ouais. Et Wanda, Iska. Jusqu'à ce jour, si. En tout cas, Cabrel, on l'a encore en mémoire. On va applaudir pour l'homme. Voilà. Force. Merci. Merci, on va passer à autre chose rapidement, s'il vous plaît. Merci. Merci infiniment. On va passer à autre chose rapidement. Alors, on revient à toi, justement. On a une autre vidéo encore de toi. C'est une compile cette fois-ci. On regarde. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Maintenant, il y a la boisson, non? D'accord. Pourquoi il n'a pas dit ça, ben? Hein? Voilà. Ah ouais, je vois les rajouts, tu m'as tagué. Photo et sauce graine. Beaucoup. Non. Nous sommes en Côte d'Ivoire, en vie de notre meilleure vie. Les lions sont éliminés, mais la vie continue. Voilà, c'est pas parce que les lions sont partis que nous on va rentrer jamais. Chacun vit sa vie, chacun sait pourquoi il est venu à Abidjan. Ma vie ne dépend pas des lions. Il vit ma vie. Allez là, moi aussi, Ivoirien, tiens. Y'a quoi? Y'a qu'un mouvement? Y'a qu'un way? Yep. On adore ce que tu fais en tout cas, Tic Deng. Justement, ton séjour se passe bien hein, jusqu'à présent. Très bien, très bien. Très bien. C'est ta première fois à Abidjan, deuxième fois? Toute première fois. Toute première fois. Tu avais des appréhensions quand tu venais? Non, jamais. Non. En fait, je suis la Côte d'Ivoire depuis, même si au Cameroun. Si. Les artistes ivoiriens, je les suis beaucoup. Et ouais. Tout, mais je n'étais jamais venu, c'est moi sur les réseaux. C'est cela. Tu es encore là pour combien de temps? Jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale, super, super. Ton séjour, top, tranquille. Oui, tout se passe. Si c'était à refaire, tu le referais. Mmh. Si. Oui. Il va tuer. Est-ce que tu as des collaborations avec des artistes d'ici? Oui, pour le moment, j'ai eu une collaboration avec les Dégameurs. D'accord. Oui, et j'ai eu une collaboration avec Samy, un TikToker et tout. Ouais. Mais comme nous sommes venus pour la CAN avec la marque One is Bet et tout, on n'a pas trop de... Sinon, nous ici, on est BetClick, t'inquiète. Si, ah, si. On leur fait un coucou d'ailleurs. Désolé. Non, t'inquiète pas, mais on parie sur BetClick.ci, c'est important. Bah, c'est important, voilà. Yeah. Yeah. Nous sommes là pour la CAN. Ouais. Donc, nos activités sont beaucoup plus basées sur la CAN et tout. Ouais. Ça, en fait. Justement, parlant de Cannes, tu as porté un magnifique sweatshirt aussi pour des continent. Loin de table, du continent. Mm. Il est toujours continent, hein. Ouais, toujours. C'est là-bas, c'est Néo. On va justement regarder donc un extrait d'une collaboration entre influenceurs, entre chanteurs aussi, oui. Pour sonner l'alerte au niveau donc de tous les continentaux pour pousser à la victoire finale votre équipe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais on espère que... Ils sont nuls. Oh, eh? Ils sont nuls jusqu'à. Eh? Ah. Mais tu vois tes beautés. C'est pas grave, c'est la vérité, ils sont nuls. Bon, on regarde l'extrait. Je suis l'enfant du continent, Robinson Pifo. Je suis fier de mon pays. Je suis l'enfant du continent, elle qui le roi. Je suis fier de mon pays. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est nous les gens du chantier. On met tout le monde au travail. Quand on faisait la chanson, on avait bu. Hein, Mais en tout cas, parcours honorable, forcément. Parcours honorable donc pour le continent. Alors, ce sera quoi la suite hein, pour toi? On poursuit les études, on fait des vidéos à côté ou à un moment donné, bon, les vidéos, c'est juste un moment et puis après, on va se concentrer sur autre chose. Non, c'est les études qu'on va poser un peu parce qu'il n'y a pas la hand dedans.
On va mettre les côtés. Ouais. On va mettre les études un peu de côté. D'accord. Et puis on va chercher Jay, tu vois. Ouais. C'est ça en fait. Et bah, pour la suite, j'ai beaucoup de trucs à faire. Parce que j'ai décidé de faire un peu de trucs un peu pro avec des caméras. D'accord, et tout. Super. Dès que j'atterris au Cameroun, c'est ça que je vais faire. C'est ce que tu vas faire, Sissi. On va, encore, tu vois, m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu un peu votre manière de faire. Ouais. Après, au Cameroun, il bavarde pour rien. Il faut venir avant de voir. Ouais, j'ai vu un peu. J'ai observé votre manière de faire et vous avez une manière de faire vraiment que j'ai beaucoup aimé. C'est trop speed ici, ça va vite. Ah ouais, ça va bien. Ah, c'est gentil, merci. Merci. Ah, ça va bien. Merci. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la famille. On veut saluer aussi. Donc, moi, je veux saluer une certaine Yolande qui gère donc le salon de l'audiovisuel au Cameroun. Saluer aussi donc Roland Camonier, Yaoundé, Abidjan, Douala et autres. Je leur fais plein de coucou là-bas. Le continent, c'est le continent, mais ici, nous avons la galaxie. Bien. N'est-ce pas, la famille? Super. En tout cas. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau-là. Là, tu ne pars pas parce qu'il y a quelqu'un qui veut t'offrir un petit cadeau, mais dans la zone de Yopougon, là-bas. Ah. Ouais. Mais moi, dès que moi aussi, là, moi, je dors seul. Il a un cadeau pour toi. Ah. On fait du bruit pour Tic Tac, s'il vous plaît. Merci infiniment d'être passé. Merci, Tic. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de WAP. Rapidement, est-ce que tu as un message à l'endroit donc, de tous tes fans ivoiriens, africains, du continent et autres? Bon. Là, c'est la Côte d'Ivoire qui chauffe. Tous mes fans ivoiriens, vous avez match, on a match mercredi face au Congo. Actuellement, s'il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas peur de l'éléphant, les Congolais, où ils sont là, ils savent que tout peut se passer. Tout peut se passer. Donc là. Moi, j'ai fait que dire aux Ivoiriens, dormez tranquille, c'est chez vous, c'est vous qui organisez. C'est-à-dire que l'épreuve que quelqu'un lance, là, c'est lui qui corrige. Ah, c'est fort ça. Merci, Tic. Merci à tous. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Bon séjour à toi. Yep, Tic Deng. Allez, la famille, on poursuit avec Ferregola, l'Arena Adidas. Bonne nouvelle pour les amoureux de Rumba et particulièrement donc les Gaulois, les fans de Ferregola. La star congolaise sera en concert le 20 avril prochain à l'Adidas Arena à Paris. Une salle de plus de 9000 places pour les concerts. Et donc, le teaser de ce grand événement là est déjà disponible et il a même été partagé par la légende Kofi Olomide. On vous montre un peu un extrait, regardez. Qui veut tuer le roi? Si vous voulez être roi, vous devez vraiment tuer. Vas-y, fais-le. Toi, Oboy, Yo, Zoa, Mika, yep. Force à toi, le padre. Et surtout, beaucoup de succès. On t'envoie une tonne d'ondes positives pour ce gros défi-là. Allez, on poursuit avec un mot pour notre confrère et ami Brice Anno Brico, qui souffle aujourd'hui une nouvelle bougie d'anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire à toi, Brico. Bonne fête et que Dieu te bénisse abondamment. Profite bien de cette journée-là. Voilà, on est ensemble. Happy birthday to you. Yeah, bravo Brice, et puis enjoy. Allez, c'est le challenge du moment sur les réseaux sociaux, lancé par Life Radio et en même temps Life TV avec la team Diaba. Voici le challenge, c'est la live vidéo. Les blancs savent danser maintenant, hein? Wouh! Elle s'appelle comment? Anouk. Ouais, Anouk t'a tué, bravo. Allez, vous aussi, faites votre vidéo, allez récupérer le son donc, sur le TikTok de Life TV, c'est Life Talk, et vous faites votre vidéo, et puis vous allez repartir aussi avec plein de loups. Allez, on va marquer une pause, et d'ailleurs, on va recevoir des amis qui viennent du Burkina. Tout à l'heure. Hop! On est donc tous sur le plateau, tu vois, merci infiniment la famille. Allez! Ceux qui vont arriver maintenant faire leur entrée sont des amis de notre pays aussi et de toute l'Afrique. On va faire monter le mercure avec ces amis-là du midi. Ils font le tour du monde depuis des mois avec leur gros tube qui est parti donc des réseaux sociaux. De vrais superstars qui n'ont rien perdu de leur sympathie. Voici pour vous, s'il vous plaît, en provenance de Ouaga, DJ Domi et Aïcha Tremblay. À quoi va les gars? Comment ça va? Ça va, Domi? Aïcha, ça va? Asseyez-vous les amis. DJ Domi et Aïcha Tremblay. Merci. Brrr.
Comment ça va la famille? Ça va bien. Waouh. Hey, Domi. Aïcha. Ça va? Tu as AZ là, Azara. Ça va, non? Hé, hey, il a dit comment Aïcha. Hé, hey, Aïcha est jolie. Hé, hey, hé. Hey. Aïcha, hein? Bonne arrivée. Merci. Merci. On dit maintenant, avant, tu mangeais Tchakani Malo. Tchakani Malo, Anigire. Anigire. Ah, Akadide. Hein? Ah. Domi, ça va? Oui, ça va bien. Bienvenue chez toi. Merci. Merci. C'est pas la première fois en Côte d'Ivoire, mais c'est la première fois sur ce plateau-là. Ouais, ah, c'est un honneur de vous recevoir ici. Alors, depuis lors, comment ça se passe maintenant? Est-ce que vous avez le temps pour vous? Qu'est-ce qui a véritablement changé dans vos vies? Ah, vraiment, ça va. On peut dire ça va. Ouais. Comme depuis lors aussi, on cherchait à voir notre père Willy. Ah, moi-même, je cherchais à vous voir. Si, si, ça fait plaisir en tout cas. Sinon, tout va bien. Rien n'est comme avant. Si, si. Avec le milieu qu'on est, voilà, tout change. Ouais. Voilà, d'autres personnes vont prendre du bon côté, d'autres vont prendre aussi du côté mauvais. Et puis c'est comme ça. C'est ça. Alors, justement, après donc, on va dire, la chanson, ça a marché, tout ça, ça continue d'ailleurs de marcher. Il y a eu, pour Aïcha, quelque chose de bien. On a dit que Aïcha a été faite ambassadrice, voilà, pour demander aux jeunes filles de continuer d'aller à l'école. À l'école. C'est avec l'UNICEF, c'est ça, au Burkina. Je pense que ça va applaudir, s'il vous plaît. Ah, Aïcha, on dit que tu... Maintenant, toi, avec chanson danse là, tu fais, et puis les jeunes filles, elles n'ont qu'à partir à l'école. Oui. Voilà. Mais c'est toi-même, tu as commencé à repartir à l'école. Passe pas d'abord. D'accord, mais pour l'instant, tu fais aussi... on dit, elle fait des cours de... elle doit faire des cours de pâtisserie, je crois. Oui, elle doit. Elle a eu des bons. Elle a eu des bons de formation de cours de pâtisserie. Mais bon, vu que le temps est vraiment. C'est ça. Mais il y aura le temps aussi où elle va repartir à l'école. Oui, avec l'équipe. C'est ça. Voilà, c'est tout, ça. Tout est prévu. D'accord. Mais est-ce que tu repars aussi au village? Est-ce que tu repars aussi au village? Tu vas souvent au village saluer? D'accord. La dernière fois que tu es parti au village pour saluer, c'était quand? Ça a duré un peu, il n'y a pas tant. Voilà, mais il faut regarder. Et puis tu as salué les gens au village. Regarde la caméra là, où lumière va s'allumer là. Tu vois, non? Regarde tonton aussi, depuis là, il ne bouge pas, il dort. Voilà, tu as vu la caméra où? Voilà, tu as vu comment tu es jolie à la télé? Il faut parler, il faut saluer là-bas. Elle salue. Bonjour, tout le monde. Faut dire comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Non. Non. D'accord. Faut saluer. Je m'appelle Aïcha Tremblay. Je suis sur Live TV. Je m'appelle Aïcha Tremblay. Je suis sur Live TV. Je suis sur Live TV. Je suis Live TV. Allez, on va marquer une petite pause. On va regarder donc une vidéo. Oui. Je crois une compile, une vidéo, mais on regarde rapidement. Go. C'est Aïcha Tremblay. Âme la pile tremblée. Digue Domi, tape dedans. Nigga, 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 nigga. Nigga, 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 nigga. Joué, marqué, poteau, étalon, but. On va bien trembler les filets, on va la fête, Ça c'est l'extrait donc de la chanson que vous avez faite avec Emilio le chanceux, oui, et autres pour soutenir les étalons. Oui, oui. Bon, malheureusement ils se sont arrêtés en cours de route, mais on espère que la prochaine fois ce sera bien. Inch'Allah. Alors, on va partir pour un deuxième extrait cette fois-ci là, c'est Tchereni Malo. Tchereni Malo, c'est le nouveau single qui a déjà plus d'un million de vues sur YouTube. On regarde Tchereni Malo. Obsidio Mandu, Moussa, Madu, Satram, Waïa, Sasha, Nage, Ikea, Satram. Nega, 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 tremble, tremble. Yeah. Alors, Tchereni Malo, parle-nous un peu de l'inspiration de cette chanson-là, Domi. Hey, le Tchereni Malo. Ouais. On est venu en Côte d'Ivoire dès le début. D'abord, on cherchait à voir notre vieux père
Willy Dumbo, ouais, qui n'était pas là, qui était aux États-Unis. Oui, il était allé me cacher là-bas. On a compris. Ici. Donc, voilà, on part sur une plateau télé avec Eric Sekongo. Eric Sekongo, Variétoscope. Ouais. Voilà. Ah, on pose la question, on dit Aïcha, ça va? Elle dit, ça va. Quand tu es venu à Abidjan, là, c'est quoi qui t'a plu ici? Tu as mangé quoi? À notre surprise, Aïcha, c'est Tchakani Malo, en Égypte. Bon, du coup, on voit aussi les réseaux, ouais, les gens ont commencé à faire le challenge de Tchakani Malo. Bon, avec l'équipe, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire en même temps le son Tchakani Malo, ouais, pour, ouais, accompagner Aïcha Tremblay? Ici. Donc, on s'est vu rapidement, on est rentré au studio chez PC. Ouais. Et voilà, l'inspiration est venue, le Tchakani Malo. Tchakani Malo. Tchakani Malo. Yeah. Oui, ça a pris. On va pas trop parler, parce que nous, on veut voir Aïcha Tremblay ici et puis danser le Tchakani Malo. Et puis après, peut-être, tu vas faire un petit set là-bas sur ta table. Pas n'est-ce pas? 5 à 3, 2, 1. DJ Domi, Aïcha Tremblay, Tchakani Malo, mélanger, yeah. Tremblay. Feu, c'est parti, il n'y a pas de temps. Go! Waga Wall Blood. Yeah. Willy Dumbo. Michel est venu. Ayoko. Bose Bora. Oula Rémo de Basse. Yana Koudoukou. Le Zoulou. Remis les épaules. Yakuba, Adama, Pharaon, Debona. Yakuba, Adama, Pharaon, Mananja. C'est dit quoi? Yakuba, Aïcha, tremble. Chebe, quoi t'es quoi y'a bois à bois? Président Estrator, Dabibi, Robico, bois à bois. Bouillon le Barcelona, Chebe, quoi t'es quoi y'a bois à bois? Kodi, Willy Dumbo, Yerela, Ika Moulo, Dumu. Bodaba 1, Bodaba 2, Check Animal, Romain Guagou, Check Animal, Jacques Elfeu, Check Animal, Happy House Resto. Tout le monde est cadouche, hey. Tout le monde est cadence, hey. Tout le monde est cadouche, hey. Tout le monde est cadence, hey. Hey. Bougez, dansez, dansez, bougez, dansez, dansez, bougez, dansez, président Maurice, bougez, Jabaté, dansez, Moussa, Madou, Madou, Satan, DJ Vegas, Waïa, Sacha, Nanga, Nanga, Nikia, Satan, Nanga, 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 Abou, viens là, c'est la télé, c'est de la réalité, donc voilà, son micro est tombé à force de tremblé. Voilà. On fait du bruit pour Aïcha et puis Domi. Et Domi, moi je dis aux gens que tu es talentueux et je ne crois pas. Domi, va là-bas. Bah, voilà. Ouais. Domi, yep. C'est que tu as fait dans les villages là. Yakuba, Yakatara, faut faire. Y a les Yakuba. Ici, elle te donne les noms. Y a les Yakuba. Voilà. Y a un truc. Viens. Non, toi. Viens, mon boss. Oh, viens. Voilà, lui c'est pas Adama. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Fousseni, lui c'est Fousseni. Donc, quand il baille là, c'est Fousseni. Aïcha, hein, Fousseni. Fousseni, il faut aller Aïcha. Le son.
Il dit quoi, Pousseni, il dit quoi, Willy, Midi, la TV, ça va quoi, mon ami, drame. Merci.